L'objectif, c'est de protéger contre le piratage des œuvres protégées par le droit d'auteur, par le copyright, hein, qui est un droit de reproduction. Sauf que ce que ça fait, c'est que ça donne énormément de pouvoir aux propriétaires du copyright, qui essentiellement dicte la loi et donc dicte qui enfreint la loi. C'est un peu la fin de la présomption d'innocence parce que sur simple accusation d'un propriétaire de droit d'auteur, une personne peut se voir perdre son accès à Internet et refuser l'accès à l'Internet dans l'avenir. Donc, sans absence de procès, une compagnie privée peut désigner un citoyen puis lui faire perdre un privilège auquel il a normalement droit selon les droits, la liberté de ses droits. L'autre chose, c'est que ça augmente la surveillance en ligne parce que ça force les compagnies d'Internet à faire le monitoring des activités d'Internet et à dénoncer tout passage d'œuvres protégées par un copyright. Donc, essentiellement, c'est une augmentation de la surveillance en ligne qui n'est pas nécessaire. Et à mon sens, c'est la critique que beaucoup de gens ont, c'est que ça donne un pouvoir excessif aux propriétaires de droits d'auteur parce que ça place essentiellement le usager en probation. Quand Versace aura acheté la couleur rouge, il n'y aura plus personne qui va pouvoir acheter de la couleur rouge. Parce que ça s'en va dans ce sens-là, leurs hosties de loi. Réveillez-vous!